on a du vent relativement modéré, c'est pas très très fort. L'Isée est pas très costaud, mais bon, suffisamment pour avancer correctement avec un vent quasiment à l'est, donc on fait du plein vent arrière pour aller vers Saint-Bas pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses que nous mijotent Gilda et Bertrand sur cette verre? Ils se sont un peu sortis de la meute, c'est normal. Je pense qu'en étant un poil derrière, bah, ils attaquent un peu et ils vont plutôt normalement du bon côté du plan d'eau. Donc on surveille ça de près. Je pense que il faut surveiller ça, leur position. C'est vrai que c'est intéressant de l'antidécalage. Ça joue pas grand chose des fois, les angles de vent, les forces de vent sur le plan d'eau. Donc voilà, donc on est vigilant et puis on regarde s'il faut, on ira peut-être se recaler avec eux. Donc on voit, on surveille tout ça. À nous de bien jouer pour conserver notre avance avec eux. Donc bon, voilà, maintenant on attend les prochains classements et puis on verra s'il faut prendre des décisions là, dans les heures à venir. Ouais, bah là on en profite là, avant que le soleil se lève, là c'est les meilleurs moments le soir et le matin là. Et puis après là c'est un peu le bagne quand même. Devant les positions là, les classements sur 4 heures ou sur 30 minutes, on trouvait qu'on n'était pas très rapide, donc là on s'est dit que fallait peut-être reprendre la barre. Et puis ça allait un petit peu mieux, et puis là moi ce matin j'ai pas dit très bien barré parce qu'on n'est pas... On n'est pas très bien en vitesse, donc voilà, donc le plus c'est peut-être que moi j'ai dormir et que j'ai barre pour l'instant. Voilà. Entre prétention et ambition, des fois il n'y a qu'un pas, donc on aimerait bien ne pas le franchir et puis franchir quand même la marche, mais on reconnaît volontairement à bord que les capritaires ils naviguent quand même super bien. Nous on fait quand même quelques boulettes. Qu'on paye pas trop cher en moyenne. Eux, ils en ont fait une grosse, ils ont payé 30 000 de cash, mais voilà, et puis, je sais pas, bien sûr, si l'opportunité se présente d'attaquer, on va attaquer, mais on va pas faire n'importe quoi, parce que c'est pas vraiment n'importe quoi quand il y a n'importe qui sur un bateau, quoi. Bah, très bien, c'était une belle nuit sous les étoiles avec une Alizée. Qui était un peu mieux que les jours précédents. Moi je me suis éclaté, c'était top cette nuit. Oui, c'est les petites nuages d'Alizée qui poussent et peut-être on va même avoir les grains cet après-midi. On va peut-être pouvoir se décher, on sait jamais. Voilà, c'est ça l'objectif de rien lâcher jusqu'à l'arrivée. Tu peux se jouer. Et c'est sûr qu'avec les courses comme ça, avec un vent qui peut être un peu capricieux, il y aura les opportunités à revenir et il faut qu'on ait force pour les prendre.